Easy music. Faut des camarades symboliques révolutionnaires. Okoloté, okoloté. Okoloté, okoloté, oté, 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 oté. Oté, 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 oté. Okoloté. Ah, on la barre maintenant. Oh, Kiki, like, wasa, like, je veux voir des likes. Je veux voir des likes. Wote, wote, wokolote, wokolote. Yawe, yawe. Hop. Chicote, Big Soul, depuis Paris. Yarisi la. Ramatula tigan la puissance. Fonike kuntigi baskot. Magra, depuis Young Star. Rizoma. Et voilà. Bonsoir tout le monde. Je vois Fasma aussi est en live là. Bonjour tout le monde. Je suis désolé du retard. Nous sommes le 2 aujourd'hui. Je devais faire cette vidéo depuis hier, mais compte tenu des occupations, on n'a vraiment pas eu le temps, comme vous le constatez. C'est une nouvelle année, comme c'est devenu une tradition. À la nouvelle année, à l'annoncer de la nouvelle année, il faut faire une vidéo pour remercier, non seulement remercier les personnes qui te suivent, mais aussi prier pour ces personnes, implorer la grâce de Dieu pour ces personnes. Pour commencer cette vidéo, je prie Dieu que cette année soit une année. Vous vous demandez ce que je vais dire. Que ce soit une année de défi pour tout le monde. Quand je dis défi, c'est que chacun se trace une mission et qu'il arrive à réaliser cette mission. Que chacun essaye de faire quelque chose. Donc, je prie que cette année soit cette année. Il ne faudrait plus qu'on essaye de faire comme de par le passé. Il faut corriger et avancer. C'est ce qui est bon pour tout un chacun. On évolue, le monde évolue, on avance en âge. Le monde reste comme tel. Mais quand même, c'est nous qui pouvons changer ce monde. Dans notre combat, on a rencontré des personnes qui nous ont manqué le respect. Nous nous classons ça en 2020. Nous avions vu des personnes qui sont venues nous insulter, on ne les connaît même pas. On classe ça en 2020. On a eu à dénoncer des choses, les gens n'ont pas compris. On classe ça aussi en 2020. 2021, c'est une année en tout cas de défi pour moi. Une année de faire quelque chose, de m'occuper d'abord de ma propre personne maintenant. Et cet engagement, je ne dis pas que je laisse cet engagement. Je serai toujours engagé comme vous voyez.
mais nous évoluerons à l'allure où les Guinéens comprendront les choses. Parce que les Guinéens nous ont dit qu'ils sont là, qu'ils ne veulent pas comprendre. Sayo Mara, mon cher ami, comment vas-tu? Voici un communicant du RPG, c'est comme ça il faut dire. Lui, il est respecté, il est connu. Il n'insulte jamais, il ne fait même pas de vidéo. Il ne se montre même pas pour dire, me voici. C'est Dieu qui le montre. Il est un cadre de l'administration guinéenne. C'est ce qu'on appelle communicant. Et regarde, on ne se manque pas de respect. Je parle de lui. Il est du RPG, il est pour Alpha Condé. Je parle de lui. Il m'a jamais manqué de respect, je ne l'ai jamais manqué de respect. Donc ça, c'est des communicants. On ne dit pas les maudits blogueurs. Il y a des maudits blogueurs qui sont sur les réseaux sociaux qui ne changeront jamais. Ils vont rester toujours comme tels. Ils ont passé plus d'une année ici à crier, à gueuler. Et le résultat, le bureau politique du RPG dit, on ne vous connaît pas. Allez-y faire ce que vous avez à faire. Et puis nous, non. Ils sont sortis, certains ont pleuré, certains ont démissionné. Et ils n'ont plus de sujet. C'est le nom des combattants pour les réseaux sociaux qui sont venus maintenant. Ils s'en prennent à Symbolique. Il a chicoté l'insulteur public de la France. Il a chicoté avec son frère, avec Tata Courtois, personne contre une seule personne. Un insulteur, même 20 personnes peuvent le chicoter. 20 personnes peuvent le chicoter. Même ça même c'est petit. Si vous dites 3 personnes, ça c'est petit. Un petit Jean comme ça là que vous voyez là. Un petit Jean que vous voyez là, un petit homme. J'ai sciemment fait pour dire un petit Jean. Un énergumène. On dirait même qu'il est un gnome, quoi, un tongodi. Lui, symbolique n'a pas un tongomanaki. Symbolique, il y a un tongodi qui a cassé à grand homme à radar. Il y a un tongodi qui a dit qu'il y a un tongodi. Moisson, et j'allais même commencer par ça, c'est lui qui a senti cette musique, je ne le connais même pas. Et symbolique, je t'ai dit de chercher son nom, de me donner même sa page Facebook. Faut me faire la promotion là-bas. On ne le connaît pas. Symbolique a rendu service à la nation. Il a même rendu service au maudit blogueur parce qu'il a délivré un maudit. En combinant tout le monde Facebook, mais depuis symbolique, la démocratie soit ira. C'est ça l'idée de la démocratie. Il faut ribinya, il doit être ribinya, il est comme binya. Donc symboliquement, maintenant là, il respecte tout le monde maintenant. Il ne fait plus des injures. Et je pense que cette leçon a été retenue par d'autres maudits blogueurs. Et mon comité fait ça. Parce que le comité, symbolique, mar kombinya dans réseaux sociaux. Netang, a falade yo munana. Donc, je commençais par ça. Sayo Mara est venu m'enlever sur ma ligne, quoi. Donc, cette année, vous les maudits blogueurs, là, moi, je ne vous répondrai pas. J'allais oublier ça aussi. Je remercie beaucoup Diaroul. À travers une vidéo de Diaroul aujourd'hui, j'ai compris que le prisonnier personnel de Fatou Nieloy, ma soeur, je vais dire ton nom. Parce qu'il n'y a rien entre nous. Le prisonnier personnel de Fatou Nieloy, ça n'est pris à moi encore. Je ne regarde pas tes vidéos et je ne vais pas regarder. Aucune curiosité ne me poussera à aller regarder tes vidéos. Mais Diaroul, je regarde ses vidéos. Et aujourd'hui, prenez ma défense. Mon cher frère Diaroul, je t'en suis reconnaissant. En tout cas, je l'ai dit sur les réseaux sociaux. Toute personne qui prendra la défense de Fadiga, je t'en suis reconnaissant. Je t'en suis redevable. Franchement, merci. Merci du fond du cœur. Tu as proprement lavé le prisonnier personnel, le Mandela de Fatou Nieloy. Mandela, c'est un prisonnier propre là. Prisonnier, voilà, dit prisonnier, je le dis, prisonnier, Amadou Bangoura, prisonnier, je le dis, le souka de Fatou Nieloy. Donc, quoi, voilà, Fatou Nieloy ira souka, souka, quand je dis souka, le bandit souka. Wafala Fatou Nieloy ira soukabe Rantan Luna m'a répondu. Je ne le répondrai plus. Si ce n'était pas Diaroul aujourd'hui, je n'allais même pas savoir qu'il dit mon nom encore, qu'il continue à dire mon nom. Vous avez dit ici que Alpha Condé est votre champion. Il a gagné, mais ce que vous avez gagné, c'est pleurs et déceptions et pleurs. Donc, Omoutalou, Moukenya,
Sinon, inugbila fema soron. Fatou Nyelo ira numéro nani. Petit Nyelo ira numéro nani. Mfati Nyelo inangle. Inugbila maso. Mfati an lambe na gbila ma na lambe. Jarul man na vidéo raba ko. Inugbila merbeta na vidéo raba. Mounsen en angle mago. Je vais appeler Fatou Nyelo. An gibia cité ni sa radieli. A Pompontiani na soumara maga. Parce que Pompontiani na ma ko la ngourdi na les un fruit. An fa soura na bara kirin kira wole. Nana kam falebe. Donc wa fala Fatou Nyelo ira souka be an to ara luna ka konor aska Fatou Nyelo ire. Parce que on n'a pas le même niveau. Une personne qui trouve même pas le transport pour se rendre en Guinée, mouna niveau kire. Une personne qui se déplace pour aller convaincre une femme amuna a convaincre le fona yanto to moya sa geli mouna niveau kire. On n'est pas au même niveau. Donc, il posait, il a là, mon 2021, mon report ni ma soron, c'est tous les classes là, hey, tout est fini. Oh. Tout est fini. Nous, on a des soldats ici. Il y a des Yaris là, ici. Il y a des Djaroul Bangoura ici. Mouta Marskas, ah, comme Mouta un exemple, fumerie. N'a pas eu mon manac réseaux sociaux, mais les maudits blogueurs, je parle des maudits blogueurs quand je parle de Wongoui. Et bing, école Tongori. Éveille Guinée Nama. Et bien nous femmes à Bénin, nous avons bien la vidéo et nana. Vous n'êtes même pas important. Des personnes les plus importantes, les blogueurs quoi, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les plus importantes, c'est ceux qui perturbent le sommet de ces maudits voleurs qui sont au pays là. C'est-à-dire les Souleymane Kondé, les Madik sans frontières, moi-même, les Mandjan Sidibé, les Tatakourou, c'est eux. Les vraies personnes qui sont connues par eux. Une personne qui te perturbe le sommeil, tu le respecteras sans condition. Donc, eux, ils sont respectés. Vous êtes là. Vous passez votre temps à gueuler, à baver sur les réseaux sociaux. On ne vous connaît même pas. Le remerciement, c'est de vous dire, nous, on a nos communicants ici. On ne vous connaît pas. Allez vous faire foutre. C'est le seul... On a vu des gens qui ont pleuré, on a vu des gens qui ont démissionné, on a dit des gens qui ont regretté pourquoi ils ont passé tout ce temps avec le RPG. Et aujourd'hui, quand on les voit, ils s'en prennent à nous, on ne peut pas vous calculer. Si le RPG ne vous calcule pas, c'est pourquoi je vais vous calculer. Mais moi, je ne peux pas vous calculer. Je calcule les Sayoumara, je calcule les Kalo, je calcule les Mohamed Kondé, je calcule même les stratèges, bah, X stratèges, j'ai oublié. Je calcule ceci. Donc, vous là, nous, on vous calcule, les Aristo, les Mamadi, la puissance, c'est eux, on les calcule. Parce que le RPG les calcule, le RPG les fait appel. Ils peuvent rentrer dans le bureau politique du RPG. Eux, on peut les calculer, eux, on peut les répondre, eux, on peut faire quelque chose contre eux. Mais une personne qui va à Conakry, il se déplace, il prend même l'avion, il va à Conakry et... Il n'arrive pas à rencontrer les membres du bureau. Toutes les récompenses, c'est le ministre escroc là. Le ministre escroc. Et nous, nous avons une photo de Tongo. On peut calculer les Doudou Béni, on peut calculer les Lilka Damaro. Tout ceci, on peut les calculer parce qu'ils sont écoutés. Mais des maudits blogueurs qui sont ici, là, il y en a même qui n'ont pas le transport, il y en a même qui ne sont pas dans les conditions régulières. Nous, on ne peut pas vous calculer. On ne peut pas. Je demande à tous ceux qui font défendre le peuple de Guinée, à tous ceux qui défendent les idées de l'opposition, qui sont opposés à Alpha Condé, de ne pas répondre à ces maudits-là. Ce sont des maudits. Guinée-Mérina, ensemble, Guéli, Conakry. Et pourtant, toi, tu passes tout ton temps à dire je me bats pour Alpha Condé, je me bats pour Alpha Condé. Guinée, il finit Soukara. Asgasi, ça, Guéli. Fouet-toi, Mayandi. Itayati, Mayandi. Non, moi je peux pas écouter cette personne. Si tu veux, va dire tout ce que tu veux. Mais je peux pas t'écouter. Je peux pas. Alors, Antanga. Hey. Ah. Ani considéré nawa, Nathan, big up marabaima. Fatou Nyelo. Il faut t'amirer à Netero Gurudara. Adi. Fatou Nyelo. C'est gâté la birigoué série. C'est gâté la birigoué série. Et ton mot Asima Koto. Et puis Mindé, DPJ. Et ton mot DPJ. Et il s'agit de gendarmerie. Fatou Nyelo. Et ma toi, mais moi, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là.
Même le petit Nyoloï, je le considère. Fatou Nyoloï, Corboya, je les considère plus que vous, les maudits blogueurs qui sont assis ici. Là. Je les considère parce qu'ils sont sur le terrain. Nyoloï est le blogueur VIP même. Parce que, attention, Malfa Kondé Ouman, Anusoma, Yako Stamoufa Colonie. Et puis, il vous a manipulé. Quand j'ai dit ça ici, les gens ont dit non, Fadiga, tu mens. Il a pris un comédien, il a appelé à tour de rôle ces maudits-là. Nvamine, Nvavala, Alpha Condé nous a appelé. Alpha Condé nous a appelé. C'est un comédien, hein. Nyoloï a le secret, là. Non, le petit, là, il est fort, hein. Le petit, là, est fort. Il a tapé. Et Mérine Mini, extérieur, une mine la Guinée, quand tu viens surtout aux États-Unis, quand tu viens aux États-Unis, si tu ne gagnes pas l'argent, mais tu dois gagner en intelligence, pour ne pas qu'un petit te manipule, pour ne pas que quelqu'un qui est en Guinée, qui n'est pas sorti de la Guinée, ne puisse pas te manipuler. C'est ça, on sort à l'extérieur pour ça, on rencontre d'autres cultures pour ça, même si c'est en Chine là, tu vas, mais quand tu retournes en Guinée, qu'un Guinéen ne puisse pas te manipuler. C'est lui qui n'est pas sorti de la Guinée, quoi. Parce qu'il y a des Guinéens qui sortent, qui rentrent. Mais c'est lui qui n'est pas sorti, il n'est jamais sorti de la Guinée. Et puis, il y a âge de Guinéen. Non, il manipule. Mais si ces derniers, toi, tu viens, tu fais des années aux États-Unis, tu vas, non, il manipule. Et allons, quoi, allons, Kamderi. On est en 2021. Moi, je me récasse dans mon coin. Je n'ai pas d'armes contre Alpha Condé. Je n'ai que mes idées. Je ne peux que dénoncer. Je ne peux que dire au peuple, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Nous on est sortis, on a vu, on vous manipule. Mais si le peuple ne comprend pas, c'est le problème du peuple. Si le peuple ne comprend pas, franchement, parce qu'ils ont opté pour ça. Et c'est ce que je vais faire en 2021. Je parle quand je veux. Je ne suis pas obligé de parler. Je cherche mon argent, je cherche mon bonheur. Je rentre au pays, je m'occupe de ma propre personne. Cette année, c'est pourquoi je dis que ça doit être une année de défi pour tout le monde. Que chacun se lance un défi. Quand je dis défi, ce n'est pas venir t'asseoir. Il comme midi. C'est moi qui m'a commis dans les réseaux sociaux, Mago. Comme midi. Non, numéro Sambé à cause. Non, il y a commis ces réseaux sociaux. C'est moi qui l'a secret sommeil. Donc, ça c'est fini. Ça c'est fini maintenant. Lançons-nous des défis. Tu te lances un défi, tu essaies de le réaliser d'ici décembre 2021. Alors, si nous sommes à vie au Birima, que Dieu nous donne longue vie, que Dieu nous préserve des maudits blogueurs. Et t'as l'enfant, il faut y aimer Colognati. Donc, que chacun s'occupe de sa vie et ne se mêle de la vie du peuple de Guinée que quand c'est nécessaire ou quand le peuple comprendra. Nous savons très bien qu'il y a des crises qui pointent à l'horizon, mais moi je m'en fous de tout ça maintenant, quoi. Je ne dis pas que je démissionne. Je ne dis pas que je démissionne parce que vous allez prendre ça pour modifier encore. Je ne démissionne pas. Mais j'ai trop dénoncé, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Mais il n'y a rien de nouveau maintenant qu'on va dire. On a dit tout ce qu'on avait à dire. Si on nous avait écouté, si les gens avaient fait une prise de conscience, cette affaire du troisième mandat n'allait pas se poser. C'est Loudalé a gagné les élections. Il est parti, il a pris les risques. Moi, au début, je n'étais pas pour, mais j'ai soutenu, j'ai supporté. On m'a même dit que je suis de UFDG. Mais je le dis encore, mon UFDG, j'ai supporté la candidature de UFDG. Et aujourd'hui, l'État n'existe pas. C'est Loudalé a piétiné l'État. Alpha Condé a confisqué les pouvoirs. Il n'a même pas volé, il a confisqué. Parce que voler, c'est sans que les gens se rendent compte. Mais quand les gens se rendent compte que tu as pris une chose et tu refuses de rendre, ça c'est confisqué. Il a confisqué le pouvoir avec l'aide de l'armée, avec l'aide de la police, avec l'aide de... Non, pas la police et la gendarmerie, parce que le peuple avait maîtrisé ces gens-là. Avec l'aide de l'armée, il a confisqué le pouvoir. Et le peuple ne veut pas réclamer ses pouvoirs. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc cela ne veut pas dire qu'on démissionne. On est là, on observe. Et on parlera quand il faut parler. Mais on ne reviendra plus pour dire tout ce qu'on a eu à dénoncer. On laisse cette tâche maintenant à d'autres nouveaux blogueurs. Comme l'effacement, le combat pour la liberté, c'est le nom de sa page. Et comme notre guerrière, celle qui m'a appris le mot Kappa Kappa.
I need the love. On laisse ce travail pour ceci et qu'elle s'occupe de ça maintenant, quoi. Parce que si nous nous tombons dans cette affaire, c'est pour faire une répétition. Nous laissons cette tâche au Djaroul Bangoura, un jeune très actif. Nous laissons cette tâche à plein de personnes et nous, on ne va pas se répéter. C'est quand il y a du nouveau, on essaye Amine Fadiga. Amine Fadiga, Koneta. Est-ce que vous comprenez? C'est quand il y a du nouveau, on essaye de dénoncer. C'est tout. C'est tout ce qu'on va faire maintenant. On va se répartir la tâche. Et c'est comme nous nous sommes lancés un défi. Tous les maudits blogueurs, on ne dit pas les RPGistes qui restent dans leur coin, qui sont calés, qui bénéficient du souka au nom de l'opposition. On ne dit pas eux. Mais nous disons... Et Fatunyelo ira soukanama nabe ki nyanga bloke ya. Yanga mikolo Fatunyelo ira souka. Est-ce que vous comprenez? Donc ce que je disais. Vous voyez, donc nous n'allons pas revenir sur tout ceci maintenant. Donc moutan, on avance. Et nous savons que des crises pointent à l'horizon. Il y a des crises qui pointent à l'horizon. C'est pourquoi vous n'avez même pas vu l'ossature du nouveau gouvernement. Vous n'avez rien vu d'abord. Le nouveau affaire du nouveau gouvernement là, c'est ce qui peut créer les désordres dans la République de Guinée. Et c'est à cause de ça, je ne le souhaite pas. Hein. Il va y avoir peut-être un début d'affrontement entre les gens. C'est affaire du nouveau gouvernement là. Ça, nous attendons ça. Mais pour le moment, on est là, on va vous faire rire, on va venir taper sur les maudits blogueurs, mais dénoncer la République de Guinée, là, ça quand même, les Djaroul et autres, et consorts quoi, vont s'occuper de ça. Et je ne sais pas où est même son petit là, le Rassaman qui était au Maroc, là. Je ne sais pas où il est maintenant là. Donc, nous, on se cadre ici, voilà, c'est tout. Donc, continuez à insulter si vous voulez. Faut des éléments. Faut des caméras. On va l'appeler, il viendra. Avant qu'on mette dans Facebook, Mago, c'est le policier de Facebook. C'est le commando de Facebook. Une comédie. C'est une femme en éléments. Faut des caméras. Symbolique révolutionnaire. Donc, sur ce, je vous remercie encore. Bonne et heureuse année à tout le monde. Et Fatunyelo. Il prépare des années tant. Il a su qu'on voyait mon art à faire sur mes terrains. Il a raffiné la coupe. Ça y est, on a ramara. Ah, Fatunyelo, il a su qu'à. Si tu fais bête, bon, bon, fais bête. Tu as d'autres adversaires. Laisse Fadiga complètement. Fadiga ne te calculera pas en 2021. Fadiga ne calculera pas les maudits blogueurs. Et chaque fois que je reviendrai sur les réseaux sociaux, Wafaniraba. Les maudits blogueurs, parce que vous êtes des tortues. Faut mériter de les amis. Faut mériter de les amis. Donc, c'est tout quoi. Donc, opposé, au fait, Manon yeng. Sur un grand transport, Bamiri, Banira, nous connaissons, nous m'a l'ouvrir. Ayant Mouti Maya, Tata Kourou, nan, commis dans les réseaux sociaux, ma. Guinan mérite, nous connaissons, Eranin la Guinée, et sous-souté, mané, Andonse, Nina, la soleil, et fin de faute, là. Mais, et ton gars, si ça gueule, Manon yeng, follow, Manta fait qu'à non yeng. Ah, il n'a idée à femme, il n'a sombère, foule dans ma sombère. Ina en a fama. Wot to wede sole loaira. Nini munabe afanana utilise ma degi. Donc, oura kombaraba. Continuez. Vous avez essayé RPG na odoro lagara. Parce que nanan tam laga. Laga, c'est pas injure. Ça veut dire en sous-sous école. RPG marodoro lagara. Aura karam. Qui sont leur blogueur. Donc, ne parlez plus au nom du RPG. Tout le monde sait ça. Tout ce qu'ils diront au nom du RPG, c'est faux. C'est archi faux. Et vous le fou. Quelqu'un qui est là. 0-0. Il y a 0 qui est là. Il y a moins 0-0. Il y a moins 0-0. Ils sont nuls.
RPG ne les reconnaît pas. C'est pourquoi ils ont pleuré sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi ils sont sortis pour démissionner. Et ils veulent profiter du buzz, de la correction que Seb Molik a mis sur l'insulteur public et la façon RPG, RPG. Vous n'allez rien dire ici pour RPG. RPG vous a dit de la fermer, de la boucler, de vous effacer. Ils ont l'air communicants en Guinée. Donc c'est tout. Hein? Donc nous, si on doit attaquer des gens, l'idée des gens, le combat des gens, c'est les communicants de Conakry. Et puis ceci même, quoi, la plupart d'entre eux ont voyagé au nom du RPG. Ils sont partis suivre des formations. Et puis Mindem Vang en Chine. En Chine, ils sont partis, ils ont suivi des formations, ils sont rentrés. Vous là, personne ne connaît votre existence. Personne ne connaît si vous existez même. Personne ne le sait. On a Minsi. Minsi Gbarouma. Les maudits blogueurs. Minsi Gbarouma. Voilà, vous avez diminué l'intensité. Vous vous attaquez entre vous maintenant. Vous vous attaquez entre vous maintenant. Pourquoi tout ça? Parce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Non, ce n'est pas possible. Je vais vous dire que vous avez dit. C'est un homme qui a été 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 un homme RPG a été un homme qui 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 a RPG suit. Quand RPG connaît notre existence, mais vous là, RPG dit qu'ils ne vous connaissent pas. Souleymane Kone, RPG le connaît. Madik Sans Frontières, RPG le connaît. Tata Kourou, c'est pourquoi il est en exil. RPG connaît son existence. Comment dirais-je? Mangan Sidibé, c'est quelqu'un qui est connu, qui est respecté par le RPG. Attends, non, mais RPG Birinia est saudé. Donc, walou. Vous avez tout fait sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas. Comme nous avons en Thierry, sans nous avons en les réseaux sociaux. Tata Kourou dit de l'appeler. Attendez, je vais l'appeler. Parce que lui, c'est mon pote. Quoi. Il va dire un mot. Et si Symbolique même veut dire un mot là, quoi. On attend Symbolique. Symbolique n'a qu'on mis dans les réseaux sociaux. Allez, connectez-vous. Tata Kourou vient parler. Tata Kourou dépose la demande. Tata Kourou, les gens te réclament ici. RFA, est-ce que vous comprenez? Donc, on s'est tracé une mission là avec les points que Kuntigi. Au nom de contre Alpha Condé pour la Guinée, au nom de la Guinée, Mounao dénoncé mané. C'est pas compliqué. Il suffit juste d'écrire une lettre. Il suffit juste de dénoncer, d'envoyer un email, ainsi de suite, quoi. Avec vos coordonnées là, vous êtes connu avec vos photos là, avec vos vidéos. C'est tout. Ali Mahouta Ngasuka, c'est fini. Kourou. Bonsoir, Tata Kourou. Tata Kourou. Qui a sorti ça? J'ai vu ça comme ça là. Donc je sais pas. Je t'enverrai tout à l'heure. C'est deux sons. Il a fait deux sons. Tata Kourou qu'on mis dans les réseaux sociaux. Je te jure. Bonsoir, Tata Kourou. Mon frère, comment ça va? Oui, ça va, merci. Mais bon, le mieux. Je suis très satisfait et très content de te voir en bonne santé. Merci. Et en cette année 2021, je souhaite la même chose aussi pour nos abonnés. Et pour tous ceux qui aiment ce pays dans leur cœur, nous devons être tristes par rapport à cette année écoulée parce que je ne crois pas que la Guinée a aussi enregistré autant de morts depuis son existence que cette année passée. Des atrocités qui ne se sont jamais passées dans notre vie et durant notre existence. Et depuis que nous sommes nés en Guinée, se sont passés cette année. Des enfants n'ont pas été épargnés, des femmes n'ont pas été épargnées, des femmes en état de famine. Toutes les victimes ne sont pas que des victimes sur l'axe. Prenons le cas de Koya.
Je crois une journée de manifestation, vous avez vu comment ils ont massacré la population de Corée, des femmes abattues. Donc, moi, sincèrement, cette année 2020 a été une année de cauchemar. Et une année vraiment, vraiment, vraiment que nous ne devons jamais oublier parce que nous avons perdu des combattants. Ils ont tué nos frères pour être, pour sauvegarder ou pour perpétuer un pouvoir, hein, d'un mourant de 83 ans. Donc, de l'autre côté, ce que je voulais te dire, Fadiga, je te jure, mon frère, j'ai parlé avec un cadre de l'administration, Edith Atakou. Vous, au moins, vous êtes digne. Vous ne nous quémandez pas. Vous ne nous menacez pas. Mais je vous jure, il dit, nous, on ne sait pas s'il si faut s'occuper de nos familles ou bien s'il si faut s'occuper de ces mendiants-là, Les ces maudits. communicants du RPG-là. Non, pas communicants, les blogueurs, les maudits blogueurs. Voilà, des maudits blogueurs. Il dit, quand on les appelle, soit devant nos bureaux, on est hors de nous-mêmes, on ne sait plus quoi faire. C'est des gars qui peuvent venir passer toute une journée assis dans la salle d'attente, t'attendre. Et chaque fois que tu leur donnes de l'argent, ça dit 2 ou 3 jours après, tu les vois là-bas. Il dit qu'il n'a jamais vu ça dans un autre pays. Les autres pays, les cadres sont dans leur bureau, tranquille, ils font leur boulot. Ils ne viennent qu'au bureau pour travailler. Mais il dit en Guinée maintenant, c'est devenu d'ailleurs une coutume. Il dit, quand tu ne leur donnes pas, non, c'est ton nom qui est étalé partout. J'ai dit, oh, je leur ai dit, grand, c'est vous aussi qui vous fatiguez. C'est parce que vous les avez habitués à ça. Tu sais, quand nous, on était petits à Sigiri, nos parents, ils avaient un adage, un proverbe. Koibaïden, il faut là. Je ne sais pas si tu as compris. Quand tu fais ton enfant un commandant, à l'époque, le commandant, Ah, c'est toi d'abord, il va réclamer l'impôt. l'impôt, parce que le commandant à l'époque, c'était le sous-préfet. Oui. Dans d'autres termes, il y a les malinqués de Kanga qui disent que Konika Banangu Tudu, Ibolokelena, C'est déjà là. Ibaka Bolalomina, il faut que tu cherches une houe. La houe, pour venir à déterrer le manioc. C'est pour vous dire que ce n'est pas nous seulement. Allô? Ouais, non, attends, C'est là. tu es en live là, rien n'a masqué de nom, il tombe de quoi? Ni fantôme après Tatakuru. Oui, oh merde, on a perdu Tatakuru. Tatakuru dépose la demande encore. C'est très important ce que tu dis là. Voilà, c'est Djaroul Bangoura. Ça, c'est le nouveau propriétaire des réseaux sociaux. Oui, Tatakuru, allez-y. Ouais, mais Tamito Masonori, il a dans l'obscurité. Ah, c'est sûr ça. Ouais, toi, tu peux parler parce que toi, on te voit, quoi. Même si on ne me voit pas, mais toi, on te voit. C'est pas grave, vas-y. Voilà. Donc, ce que j'avais à te dire, que ces gens-là, personne ne veut les sentir aujourd'hui. Oui. Personne. Ni nous qui sommes leurs adversaires par endroit, ni les gens dont ils sont en train de dire qu'ils défendent. Personne ne veut eux. Et quand ils prennent des billets pour descendre à Conakry, c'est comme si ils viennent pour prendre le budget des départements pour le retourner. Why? Vous ne me connaissez pas, c'est moi qui suis en France là. C'est moi qui fais des vidéos là. Tu vois, non? Ouais. Alors, à la barre. Tu te déplaces des États-Unis pour aller à Conakry, ta mère est malade. Selon eux-mêmes. Selon eux. Selon eux-mêmes. Parce que Moutamou, nous, on n'est pas au courant. Selon eux, ou bien. Ouais. Ce n'est pas eux-mêmes qui l'ont dit. Selon eux-mêmes, c'est l'insulteur public C'est Fakhrassa qui a dit que sa mère est gravement malade à Abidjan. Que Ah. ça fait des années qu'il n'est pas allé voir sa mère. Et puis, tu sais qu'il s'était marié durant son voyage là. Et c'était marié à qui? Ah, tu sais, Borebeto Kana, Ah. Mouama Nangli Fana, Ah. Anga Tamba Feya, Ma Tanga Sese Muna Yama Anga Sende, Il Nangli Fla Feya.
Fadunyelo era Souka. Hey, d'enfant. Kode, Kode, Kode. Kode. Awa, Kode. Souka. Voilà, Souka. Donc, Nagbeto Bara a ramené à cousine de Tongolais et à Fiamma. Ouais. À cousine de même village. Après, il y a un affaire à Souara. Un affaire à divorce à Naba. Maintenant, il y a un blé. Maudit, c'est tout. Je te jure sur l'honneur. Lui, il ne retourne même pas lundi, mardi. C'est lui qui sort encore pour nous parler, hein, pour commencer à gorger. Oui, ouais, le professeur a faconné. Ouais, ouais. Mais je me dis, qu'est-ce qu'il recherche dans sa vie, lui-là? Mais il n'a pas États-Unis, mais il à Philadelphie, il est je sais pas, François, je connais rien d'eux ici. Il paraît que Atalana Walefe, qu'on est à Kadine, boutique dans la Ira, Atalana est à tout. Beauté, Djembe, Djembe, on l'a bolla sur ma canne, c'est lui qui fait sortir les tam-tam, les tambours pour les faire asseoir devant le magasin et le soir, il vient les ramasser pour faire rentrer. Il y a une personne qui m'a promis. C'est un travail qu'il faut respecter chez les Blancs. Mais si c'est la même personne qui s'assoit maintenant sur les réseaux sociaux, aïe, t'es barré dans ma souma, aïe, t'es mouti dans ma souma, aïe, t'es camion de l'évêque de Nagima. Il faut respecter les gens. Ouais, t'as d'accord. Il t'en donne un camion dans Sendema. Non, attends, camion VIP, ça coûte à peu près 2 milliards de francs guinéens. Voilà, il t'en donne un visa. Il t'en donne un visa. Attends, on a mis la boutique qui. Attends, lui, il t'en défisa. Il t'en voulait faire faute et n'a ira. Attends, il a quel Afrique, il a volé Africain ira. Des maudits blogueurs. Bonne soirée à toi, bonne année à toi, mon grand. Merci beaucoup, Tata Kourou. On va essayer de prendre Garoul aussi. Merci, Tata Kourou. On ne voit pas, moi, mon image, c'est pas grave, mais vous allez écouter ce que je dis. On va prendre Garoul Bangoura. Ça, c'est le nouveau propriétaire des réseaux sociaux. Sur ce corps, il y a un peu de temps. Intellectuel là, il y a Garoul, le nouveau propriétaire de Facebook là, Guinée. Montana a partagé ma baluette, à la fin, mon baluette wonko. Ça, c'est tellement clair. Et bonne année. Ah, Fori, merci. Alors, il y a un bête, mais moi, c'est Wombe, quoi. Amina. Je fais voilà. Parce que ni la vidéo, ni toi, je te suis, ni t'en suis, parce que tu es important. Je vois une de tes vidéos aujourd'hui où tu prenais ma défense. Je faisais cette vidéo. Ouais. Et merci. Voilà. Donc, quand je dis Garoul Bangoura, c'est lui. Garoul, il est bon. Oui, la main. À respecter quoi? Ouais. Allô? Nadou m'a dit Mordoli. 1-0 quoi? Que lui, il est général Macron. Général 5. Au moins, hôtel, mon nom, hôtel 2 semaines, 3 semaines, fille de mon nom, mon vacances à Bamonte. Ouais. Et il salue ma hôtel à l'imane à Bangrina Munera Mereille. Donc, Anna Mordoli, Wama, Ora Wayan, a fallu la rara Mereille réalisation. Ababa ma voilà de Ababa Gounyande ou bien Mise nous Mise Ababa Babe. Oui. Aganera réalisation ça tenait ma wongato. Oui. Ah non? Ouais. C'est très simple. Il a ouais. Ah. Yann Amato. On m'a appelé là deux fois comme ça là à m'a recoupé quoi. Attends, je vais lancer un.